Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Tancrède Auguste, un ancien président de la République d'Haïti. Il a été président de la République de 1912 à 1913. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui était Tancrède Auguste et les défis auxquels il a été confronté. Tancrède Auguste est né le 16 mars 1856 à Cap-Haïtien dans le département du Nord en Haïti. Il devient ministre de l'Intérieur sous la présidence de Florville Hippolyte et Thérésa Simon Sam. Il fait partie du conseil des secrétaires d'État qui assura la transition au pouvoir du 24 mars 1896 au 31 mars 1896 entre la mort de Florville Hippolyte et l'élection de Thérésa Simon Sam. Le 8 août 1912, une violente explosion détruit le palais national, tuant le président Lecomte et plusieurs centaines de soldats. Après la mort du président, le pays fut en crise. Le conseil des secrétaires d'État dirigea le pays pendant quelques heures, puisque ce même jour, l'Assemblée nationale se réunit et élit le général Tancrède Auguste pour lui succéder à la présidence de la République pour un mandat de 7 ans. Dès son élection, Auguste entame la reconstruction rapide du palais national et met en place une répression sévère contre les opposants du président Lecomte, accusé d'avoir orchestré l'attentat du palais national. Après un voyage dans le nord du pays, Tancrède Auguste fut atteint d'une maladie et mourut le 2 mai 1913 à l'âge de 57 ans, soit 8 mois et 23 jours après son entrée en fonction. Pendant son mandat, Tancrède Auguste a dû faire face à de nombreux défis. Il a dû faire face à une économie fragile, à des problèmes d'infrastructure et à des conflits politiques. De plus, les relations avec les États-Unis étaient tendues, car ces derniers souhaitaient avoir un plus grand contrôle sur Haïti.